son histoire, ses mystères. C'est le berceau d'une civilisation raffinée plusieurs fois millénaire. Ses habitants la nomment Zhongguo, l'empire du milieu, le centre du monde. Nous l'appelons la Chine. C'est le pays le plus peuplé du monde, 1,2 milliard d'hommes et de femmes. Ils n'ont en commun que leur langue ancienne écrite. Les innombrables prononciations de leur langue parlée en rend la compréhension très difficile d'une région à l'autre. 75% de la population vit dans les campagnes, souvent selon des traditions séculaires. Les autres s'entassent littéralement dans des métropoles dont une trentaine de plus d'1 million d'habitants. Pékin et Shanghai hébergent à elles seules un total de près de 20 millions de citadins, et elles sont menacées d'étouffement par un exode rural de plus en plus important. C'est un pays qui pratique le culte de son passé, mais aussi l'art d'interpréter son histoire au gré des circonstances. Les Chinois, qui constituent un 5e de l'humanité, n'ont jamais témoigné d'allergie au régime fort. Ils n'ont renversé leurs empereurs que pour leur substituer des oligarchies à poigne. Ce pays qui se proclame centre du monde n'en absorbe pas moins avec avidité toute technologie nouvelle qu'il a la possibilité d'importer. Il a par ailleurs vécu en 100 ans plus de bouleversements sociaux que n'importe quelle autre nation. Cela ne s'est pas fait sans trouble, révolution ni répression, car ici, les militaires ne sont jamais loin. Néanmoins, aux moments les plus agités de leur histoire, ces hommes, dont le nombre impressionnant pourrait laisser croire qu'ils ont abandonné toute personnalité, ont toujours vu l'un ou l'autre d'entre eux se dresser face à l'arbitraire ou à l'injustice. La civilisation chinoise a commencé de fleurir il y a plus de 4000 ans. Pour mémoire, il y a à peine plus de 200 ans que les États-Unis d'Amérique sont indépendants. 5 siècles seulement nous séparent de la découverte par Christophe Colomb du Nouveau Monde. La chute de l'Empire romain d'Occident remonte à environ 15 siècles. C'est il y a moins de 3500 ans que vivait Moïse. Et il y a 3800 ans que régna le premier pharaon d'Égypte. En Chine, la première dynastie impériale est antérieure au 2e millénaire. Elle dominait une société déjà complexe et cultivée à une époque où les ancêtres des peuples occidentaux vivaient encore dans des huttes ou dans des grottes. Avec près de 10 millions de kilomètres carrés, la Chine a une superficie comparable à celle de l'Europe et à celle des États-Unis d'Amérique. Le premier peuplement de cette région daterait d'1 million d'années, et les populations locales semblent s'être développées indépendamment d'autres civilisations orientales, créant armes et outils spécifiques. Les descendants de ces tribus primitives sont les Han, auxquels vinrent se mêler au fil des siècles un grand nombre d'ethnies. Des premiers témoignages artistiques qui remontent au 2e millénaire jusqu'à l'époque moderne, l'esthétique de la culture chinoise témoigne d'une étonnante unité d'inspiration, à la différence de la plupart de celles que l'on rencontre au Moyen-Orient, en Europe, en Afrique ou en Amérique. Même continuité dans le mode de vie des populations rurales, comme l'a révélé l'étude du site néolithique de Banpo, un village d'agriculteurs-pêcheurs situé au bord du fleuve Jaune et vieux de 6000 ans. On y a exhumé en 1952 les fondations de 45 maisons, une nécropole et de nombreux objets utilitaires. À l'époque de la guerre de Troie, la Chine était dominée par les Shang, tribus du nord du pays. Ces guerriers délaissèrent la poterie pour un bronze d'excellente qualité. Ils utilisèrent surtout cet alliage pour la fabrication de leurs armes. À l'époque, la maîtrise de ces techniques assurait la richesse et la puissance. Le bronze servait aussi à confectionner des accessoires destinés au culte des ancêtres, très imprégné de magie. La dynastie des Shang laissa place à celle de leurs voisins occidentaux, les Chu. La fonte du fer entraîna un nouveau raffinement dans l'art ornemental, mais surtout une amélioration de l'outillage, qui permit un développement de l'agriculture. Les Chu adaptèrent la religion de leurs prédécesseurs à leur propre culture céleste et renoncèrent aux sacrifices humains. À la dynastie Chu, la plus longue qu'ait connue la Chine, succéderont durant 2 siècles d'innombrables baronnies et des guerres locales menées par ces seigneurs féodaux. Dans ce climat de violence, de complot et de trahison, vont naître à cette époque plusieurs philosophies d'équilibre et d'harmonie, dont la plus célèbre est celle enseignée par Confucius, un humaniste pragmatique qui prêche le juste milieu entre la nature et l'éducation, l'accomplissement du devoir plutôt que le profit, et, pour les souverains, un despotisme éclairé qui doit les faire aimer de leur peuple. Un langage alors en parfaite contradiction avec les intrigues des petits potentats au pouvoir. Confucius conçoit un homme idéal, parfaitement maître de lui, capable de résister sereinement aux mauvais coups du sort là où d'autres céderaient à la précipitation. Cet homme sait agir si le moment est venu, et s'en abstenir si l'action entraîne un risque inutile. La base de toute société harmonieuse est la famille, et la piété filiale est la première des vertus. Ses conséquences logiques sont la continuité des traditions et le culte des ancêtres. Le confucianisme n'a ni préoccupation métaphysique, ni dogme absolu, ni clergé. Plutôt qu'une religion, c'est une sagesse, un art de gouverner pour le prince, une morale pour les intellectuels et une fidélité au passé pour le peuple. Cette doctrine a avant tout le goût du concret. Justice, discipline, ordre social, vertu familiale, éducation des masses. Sous sa forme primitive, puis amendée dans un sens plus religieux, le confucianisme demeura pendant près de 2 millénaires le culte dominant des Chinois. Aujourd'hui, il est radicalement condamné par les idéologues communistes qui le jugent conservateur, paralysant et responsable de l'affaiblissement de l'Empire. Contemporain réputé de Confucius, Lao Tse est en fait un personnage quasi légendaire. On lui prête un ensemble de préceptes qui sont à l'origine du taoïsme. Cette mystique vise à l'immortalité corporelle. Le sage y accède grâce à une ascèse intellectuelle qui le délivre de toute contingence. Les Chinois appellent ce concept Tao. Ils le représentent par un pied marchand et une tête humaine, symbole d'un homme avançant en toute quiétude sur un chemin sans embûche. Le taoïsme est fondé sur les forces qui régissent la nature, la terre, l'air, l'eau, et sur le pouvoir des contraires, ombre et lumière, masculin et féminin, bon et mauvais, chaud et froid. Ces éléments opposés s'attirent et se repoussent alternativement, et chacun des extrêmes est nécessaire à l'équilibre de l'ensemble. Toute vie est changement et alternance. Rien n'est statique. Les Chinois ont traduit ce concept graphiquement en triade symbolique composée de lignes pleines et de lignes brisées. Les lignes pleines représentent le principe Yang, le père, le pouvoir, le ciel. Les lignes brisées représentent le principe Yin, la mer, la soumission, la terre. Les 64 combinaisons possibles entre ces lignes figuraient déjà dans un traité de divination antérieur à Lao Tse. Les caractères chinois sont bien plus modulables encore. Tracée au sommet du signe, cette ligne signifie le ciel, surplombant les hommes, et sur lequel les dieux font tomber la pluie. La même ligne signifie ici la terre, sur laquelle se lève le soleil et sur laquelle vit l'humanité. Voici le signe qui signifie bon. Placé sous un toit, il devient bon ordre. l'écriture archaïque était constituée de pictogrammes décrivant des gestes ou des objets relativement faciles à interpréter. Avec le temps, elle évolua, se compliqua, les symboles apparurent de plus en plus abstraits. Par exemple, l'ancien signe figurant le mot « prince » dessinait deux bras rejoignant le ciel et une bouche qui permet de commander. Au fil des siècles, l'un des bras se transforma en une sorte de fourche représentant à la fois le temple et le pouvoir. Ainsi, les symboles se stylisèrent jusqu'à ne plus ressembler que très vaguement aux pictogrammes originaux. Aujourd'hui, les Chinois parlent des centaines de dialectes qui n'ont pas plus de rapport entre eux que le portugais n'en a avec le russe. Mais la langue écrite reste compréhensible à l'ensemble de la population instruite. Et la calligraphie, qui consiste à tracer les signes avec un pinceau, constitue non seulement la méthode fondamentale de communication, mais une véritable discipline artistique. La tradition affirme que les 8 traits fondamentaux de la calligraphie se trouvent réunis dans le caractère Yang, qui signifie éternité. Tout comme les caractères enlacés de cette écriture plusieurs fois millénaire, le sol et la mentalité chinoise se fondent dans d'étonnants monuments, comme l'escalier du mont Tai, 7000 marches gravies autrefois par Confucius lui-même. « 200 ans avant Jésus-Christ, la Chine retrouva une certaine unité sous l'autorité d'un seigneur de la guerre, Qing, prince de Qin, un homme volontaire, si l'on en croit la légende qui raconte comment il accéda au pouvoir. Suivant ce récit, l'exercice de la royauté exigeait la possession d'un vase magique. Or, il arriva que ce vase tomba par accident au fond de la rivière. Cheng ordonna qu'on le repêche, ce qui fut fait à grand renfort de perches et de cordes. Mais les cordes cassèrent, le vase disparut à nouveau et tous les efforts pour le récupérer échouèrent. Alors, Cheng décida de s'en passer. Il s'empara des territoires voisins et créa un royaume unique. Il prit le titre d'Auguste Seigneur, en chinois Wangti. Il engagea des réformes radicales, unifia l'écriture, les monnaies et les unités de mesure. Il réglementa l'administration et l'enseignement. Il fit aussi renforcer et compléter une série d'ouvrages fortifiés qui protégeaient de longue date le nord du pays des hordes mongoles. Plus de 300 000 hommes furent affectés à la construction de ces 6 000 km de murs flanqués de tours de guet et hauts par endroits de plus de 15 mètres, cette grande muraille qui constitue la plus immense construction de l'Antiquité. À ce point solide qu'elle nous est parvenue presque intacte. Les cavaliers pouvaient la parcourir à 5 de front. Elle n'était pas conçue seulement comme une barrière, mais comme une ligne de position avancée. Elle était peuplée d'impressionnantes garnisons. Les soldats communiquaient de poste en poste par drapeau ou par signaux de fumée. Leur vie était rude, sous un climat glacial, au milieu de terres incultes et de populations hostiles. On a prétendu que la Grande Muraille était la seule construction terrestre qui, de la Lune, soit visible à l'œil nu. Mais même suivant nos critères modernes, c'est un ouvrage extraordinaire. Grand bâtisseur et donc grand mobilisateur de main-d'œuvre, l'empereur n'était guère populaire, mais son peuple déjà était passif et philosophe. Aux pêcheurs du fleuve Jaune et du fleuve Bleu, la rivière fournit l'essentiel, l'eau. L'eau des poissons, l'eau pour les champs, pour laver, pour cuisiner. Au-delà de l'eau, les montagnes, qui arrêtent les ennemis, retiennent les nuages, qui protègent du soleil. Il y a bien sûr les inondations et les tremblements de terre, mais c'est la loi des contraires qui s'impose à tous, y compris à l'empereur Che Huangti, bientôt renversé par une nouvelle dynastie, celle des Han. Ce fut une époque d'importants progrès techniques, qui vit l'invention de l'énergie hydraulique, de la brouette, du coulage de l'acier et aussi du papier, utilisé en Chine 1000 ans avant son apparition en Europe. Les Han favorisèrent l'essor culturel et littéraire. Leur influence s'étendit en Asie centrale et méridionale. L'influence de Rome était alors grandissante, et pour les Romains, la soie était le luxe suprême. Pour s'en procurer, ils étaient prêts à affronter les pires tempêtes et les pillards les plus sanguinaires tout au long des 8000 km qui les séparaient du cœur de la Chine. Partant de l'actuelle Chensi, principale région de production, les caravanes franchissaient tout le pays d'est en ouest, traversant ce qui est aujourd'hui l'Iran, l'Irak et la Syrie, pour arriver à la Méditerranée. Rien d'étonnant à ce que la Chine ait été baptisée à l'époque par les Occidentaux « le pays de la soie », qui en chinois se dit « Zhou ». Pendant plus de 1000 ans, la route de la soie sera la principale voie de communication entre l'Orient et l'Occident. Un millénaire durant lequel la fabrication de cette soie n'a d'ailleurs guère varié. Dans des élevages spécialisés, d'énormes quantités de vers produits par un papillon appelé bombix sont nourris de feuilles de mûrier. Les vers éclos sont installés dans des casiers spéciaux où ils filent, en 3 ou 4 jours, un cocon dans lequel ils s'enferment pour devenir chrysalides. Afin de conserver intacts les cocons pour le dévidage en filature, on étouffe les chrysalides qu'ils enrobent. Chaque cocon est constitué d'un fil de 700 à 1000 mètres de long, pesant au total moins d'1 gramme. Une fois traité, 6 kg de cocons frais donnent 1 kg de soie grège. Après des opérations complexes d'assemblage, la soie est tissée, le finissage étant réalisé à la machine, ou plus généralement à la main, si on souhaite donner à l'ouvrage une qualité artistique. Enfin, la sérigraphie, qui consiste à peindre en plaçant un écran de soie entre l'encre et son support, est de toute éternité une technique qui touche ici à sa perfection. Ces œuvres réalisées en sérigraphie illustrent la très ancienne théorie du mandat céleste, inventée au XIIe siècle par la dynastie des Chu, très soucieux de justifier leur prise du pouvoir au détriment des Chang. Tout souverain, ou fils du ciel, régnerait en vertu d'un mandat confié par la divinité à son ancêtre, fondateur de la dynastie. Mais si ce prince se montre cruel, orgueilleux ou dépravé, le ciel peut lui retirer son mandat pour le confier à un homme vertueux, digne de fonder une nouvelle dynastie. Une légende ajoute que les signes d'un règne corrompu se décèlent des émeutes, des séismes, d'abominables fléaux, une grande pestilence et des feux célestes. De sculptures de jade en statues de pierre et de temples en palais, des milliers d'artistes ont patiemment réalisé au fil des siècles des œuvres incomparables, pour la plus grande gloire de leurs empereurs. En 1974, des paysans qui creusaient un puits ont découvert fortuitement un inestimable témoignage du passé de leur pays. Situé à proximité de l'ancienne capitale impériale Xi'an, ce mausolée est celui du premier empereur, Qi Huangti. Son tombeau était peuplé de 7000 statues de terre cuite, 7000 soldats et chevaux reproduits en taille réelle et formés en ordre de bataille. À l'origine, les soldats portaient des armes réelles, mais elles ont été pillées par des paysans révoltés quelques années seulement après l'ensevelissement de cette étrange armée. Les corps des statues furent sans doute moulés en série dans des ateliers spécialisés, mais ensuite, chaque tête fut sculptée individuellement pour reproduire la physionomie de chacun des militaires représentés. Dès cette époque, le palais impérial accueille musiciens, chanteurs et danseurs, rejoints plus tard à l'époque de la dynastie Han par des acrobates, des pitres, des jongleurs. Au VIe siècle après Jésus-Christ, sous la dynastie des Sui, tous ces arts se conjugueront en un seul, le théâtre classique que nous appelons opéra chinois. Les Sui régnèrent peu de temps, de 81 à 618 de notre ère, une période qui en Europe est celle du Moyen-Âge et des premiers mérovingiens. À Hong Kong, la reconstitution d'un village de l'époque donne une idée assez exacte de ce qu'était la vie quotidienne en Chine il y a 1300 ans. Les empereurs Sui n'ont pas laissé une trace impérissable dans l'histoire. Ils ont certes entamé la restauration de l'unité chinoise, mais si on évoque leur régime, c'est surtout pour y situer l'apogée du bouddhisme dans cette région d'Asie. C'est par la route qu'utilisaient les caravanes pour transporter leur soie que les Chinois importèrent au début de notre ère cette religion venue de l'Inde. Né 600 ans plus tôt, Bouddha, le sage suprême, mena une existence d'ermite qui lui permit une illumination. Il comprit et enseigna un concept de réincarnation en série qui forge chaque être aux leçons de la vie, jusqu'à atteindre la sagesse pure, le nirvana, un état de béatitude qui met enfin l'âme au diapason de l'univers. Les moines bouddhistes s'installèrent en Chine par milliers, gravant d'innombrables effigies du grand sage, dont les traits s'inspiraient de ceux des populations locales. Le Bouddha historique étant nirvané, c'est-à-dire éteint, son culte prévoit d'ailleurs l'existence d'un certain nombre de Bouddhas futurs en attente d'incarnation. Par tolérance impériale, les bouddhistes étaient exempts d'impôts. Ils furent donc jalousés. Au IXe siècle, quelques 40 000 de leurs temples et monastères furent fermés. Pourtant, de grandes sectes bouddhiques, spécifiquement chinoises, connurent à la même époque leur âge d'or, comme en témoigne ce monumental Bouddha assis qui trône au confluent de trois rivières près de Leshan, dans la province de Sichuan. Sa construction débuta en 713. Elle dura 90 ans. 100 personnes peuvent se tenir sur chacun de ses pieds de 9 mètres de long. Les moines taillèrent ce colosse de 71 mètres de haut à flanc de falaise, face au confluent, pour préserver, dit-on, les mariniers de la noyade et la ville des crues. Les deux tiers de la surface de la Chine sont montagneux, et c'est l'une des raisons de l'entassement des populations dans une portion réduite de terres cultivables. La plus illustre de ces chaînes de montagnes est évidemment l'Himalaya, située au sud-ouest du pays et qui culmine à près de 8850 mètres. Ce gigantesque obstacle naturel a toujours entravé la circulation des hommes et des idées. Le bouddhisme s'est pourtant implanté dans cette région, le Tibet, avec plus de succès que partout ailleurs en Extrême-Orient. C'est une religion qui s'accommode mal de régimes autoritaires. Les Tibétains n'ont jamais fait bon ménage avec leurs puissants voisins du nord et de l'est. Il est vrai que ces derniers ont eu régulièrement la tentation de faire main basse sur le pays. Soumis aux Mongols du XIIe au XVIIe siècle, le Tibet a ensuite été occupé quasiment en permanence par les Chinois. Seule l'administration civile et religieuse restait confiée à la hiérarchie bouddhiste. La pauvreté de cette population de 2,5 millions d'habitants et l'aridité du pays n'ont rien de très attirant. Mais posséder le Tibet, c'est contrôler cet Himalaya qui décourage toute velléité d'invasion venant du sud. C'est pourquoi la situation s'est envenimée. Lorsqu'en 1959, les Tibétains qui réclamaient en vain une réelle autonomie se sont révoltés contre la tutelle de Pékin. La répression fit en quelques jours 10 000 victimes. Depuis leur invasion du pays en 1951, les communistes s'étaient efforcés de battre en brèche la ferveur religieuse de la population. Dans ce domaine aussi, ils appliquèrent la manière forte. En quelques années, 2000 monastères furent démantelés. Il n'en reste que quelques dizaines. Le nombre de moines passa dans le même temps de 5000 à 1 millier environ. Il en fallait plus pour soumettre ce peuple au caractère bien trempé par des conditions de vie extrêmement dures. un peuple qui persiste à considérer que rien ne justifie sa soumission aux Chinois, ni sa langue, ni son histoire, ni surtout sa religion. Les drapeaux de prière continuent de flotter sur les villages. Le peuple réclame le retour du Dalaï Lama, chef suprême du bouddhisme tibétain, menacé d'arrestation en 1959 et qui vit depuis en exil. Ces sujets ont payé cher leur volonté de défendre leurs différences et leur autonomie. Depuis la rébellion de 1959, une série de révoltes armées a coûté la vie à près de 150 000 Tibétains, tués au combat, exécutés ou disparus. Les Chinois, qui utilisèrent l'imprimerie à caractère bien avant Gutenberg, passent à juste titre pour un peuple créatif. Au XIe siècle, ils découvrirent l'aiguille aimantée et la boussole, complétèrent leurs connaissances en astronomie et donnèrent un essor considérable à la navigation. On assimile à ce point les mots Chine et porcelaine qu'en Angleterre, ils sont synonymes. Dans ce domaine aussi, les Chinois avaient des siècles d'avance sur les Européens. Les plus belles œuvres de leur manufacture datent des époques Tang et Song, du 7e au 13e siècle. Faut-il rappeler enfin la plus célèbre de ces inventions, la poudre, mélange de salpêtre et de soufre, utilisée bien avant l'an 1000, dans son application la plus pacifique, la fabrication de feux d'artifice. Du 7e au 10e siècle, la Chine ne cessa de prospérer, sous la dynastie Tang. La capitale, Chang'an, était alors, avec 1 million d'habitants, la ville la plus peuplée du monde. Suivant le principe fondamental de l'urbanisme chinois, elle était bâtie en damier, chaque élément étant fortifié et hiérarchisé selon son éloignement du centre. Cette ville a pratiquement disparu, mais son plan urbain fut utilisé bien des siècles plus tard pour la construction de la cité interdite à Pékin. L'enceinte extérieure abritait la ville proprement dite, les bâtiments administratifs, les boutiques et les marchés. Quant aux maisons, plus elles étaient proches du palais, plus leurs habitants étaient de statut élevé. Tous les portails ouvraient au nord, car l'empereur devait toujours être approché par le sud, d'où soufflent les vents favorables, alors que le nord n'amène que tempêtes et invasions. Quant au cœur de la cité, le palais, seul le souverain avait le droit d'en concéder l'accès à quelques 10 000 serviteurs et privilégiés. Le contraste était d'autant plus frappant entre ces 62 hectares de splendeur et les conditions de vie du commun des Chinois. Derrière ces murs pourpres, hauts de 10 mètres, la vie était régie par une étiquette très stricte, sous l'œil sans pardon du Fils du Ciel, siégeant sur le trône du dragon, l'empereur, omnipotent au point qu'il avait seul le droit de porter du jaune et du vermillon, ses couleurs personnelles. Entrouverte au public peu après la proclamation de la République en 1911, la cité interdite accueille aujourd'hui des flots de visiteurs chinois et étrangers. Quelques-unes des 9000 pièces du palais impérial ont été transformées en musée. On peut y admirer les trésors impériaux, parmi lesquels des collections inestimables de gravures, de calligraphies et surtout de ces aquarelles qui replongent inlassablement dans l'inspiration typique des artistes chinois, puisés dans la nature, sa flore et sa faune, sauvage ou familière. Prisées des peintres, ces montagnes, ces falaises, ces fleuves servaient aussi de remparts naturels aux intrusions étrangères. L'Empire du Milieu entendait bien conserver sa superbe indépendance et ne régler qu'à sa guise ses rares contacts avec le monde extérieur. Les siècles passèrent au rythme de l'eau qui se déverse sur les rochers, et les empereurs finirent par s'assoupir dans la quiétude de leur isolement. En se consacrant entièrement à l'érudition, aux spéculations philosophiques et au dilettantisme, ils perdirent toutes leurs ressources guerrières. Les Mongols ne manquèrent pas de mettre cette imprudence à profit. Ils déferlèrent vers le sud, balayèrent en quelques mois la dynastie des Jin, au pouvoir depuis un siècle, et établirent un immense empire s'étalant de la Russie à la Corée. Kubilai, petit-fils de Gengis Khan, se décréta souverain de cette Chine réunifiée et au sommet de sa prospérité, la Chine que découvrit Marco Polo en 1275. Lorsque l'illustre marchand vénitien regagna l'Occident 17 ans plus tard, on refusa de croire ses descriptions d'une société chinoise élégante et raffinée. La noblesse européenne ne pouvait évidemment accepter l'idée qu'il exista à l'autre bout du monde une cour infiniment plus polissée que la sienne. En cherchant un raccourci vers l'Inde et vers la Chine, et en découvrant presque par hasard un nouveau monde au-delà de l'océan Atlantique, Christophe Colomb allait mettre plus encore à la mode un certain exotisme. En cela, les Chinois avaient effectivement tout pour intriguer, à commencer par leur accoutrement. Chapeau à plumes et longue robe de mandarin. Pour les femmes, des étoffes de soie et de satin. Les robes safran des moines. Ces tenues spécifiques de chaque catégorie de militaires. Tout personnage de quelque importance portait dans cette société un vêtement permettant de déterminer au premier coup d'œil son statut social. Au bas de l'échelle, les paysans et les pêcheurs, travaillant dur pour les propriétaires et les seigneurs locaux. Hier comme aujourd'hui, la plupart des villages étaient bâtis le long des cours d'eau, dont on dit qu'ils sont en Chine le sang de la vie. Certaines de ces cités pouvaient rivaliser avec Venise par le nombre de leurs canaux ouverts au transport et au commerce. Les Chinois utilisèrent des systèmes d'écluses dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, 1400 ans avant leur apparition en Occident. Des millions de gens vivaient en permanence sur l'eau, dans leurs bateaux transformés en habitations. Peu de choses ont d'ailleurs changé dans ce domaine sur les dizaines de fleuves et les milliers de rivières qui offrent 40 000 km de voies navigables, mais aussi une irrigation intensive des rizières et un vivier de choix pour la pêche. Une vie immuable, apparemment simple, mais néanmoins soumise aux éléments, les inondations, les orages, la mousson. Une existence qui confine souvent à la pauvreté. La plupart de ces familles itinérantes transportent avec elles tout ce qu'elles possèdent. À Pékin, les Ming, successeurs des empereurs mongols, vivaient dans l'opulence. Au XVe siècle, leur pays possédait sur l'Europe une avance technique et économique telle qu'ils amassèrent une immense fortune. La plupart de ces trésors seront confisqués par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale ou emportés à Taïwan en 1949 par les nationalistes en fuite. Quelques merveilles ont heureusement échappé à ces pillages. Ainsi, le Temple du Ciel, chef-d'œuvre de l'art religieux construit sous cette même dynastie Ming. Deux fois par an, accompagné de milliers de serviteurs et de notables, l'empereur quittait son palais pour s'y rendre en grande procession. Il était interdit au peuple, sous peine de mort, d'assister au passage du Fils du Ciel. Arrivé dans l'enceinte du temple, le souverain priait pour la qualité des récoltes passées ou pour l'abondance des récoltes à venir. Ce temple, partiellement construit en bois, eut à subir, comme beaucoup d'autres monuments de Pékin, plusieurs tremblements de terre. Il fut donc remanié et restauré au cours des régimes ultérieurs, mais il reste caractéristique d'une des plus illustres dynasties de bâtisseurs. Car il faut rappeler que Yongglo, à son approche, annoncée par une musique solennelle, tous se prosternaient, la tête touchant le sol. Il eût été sacrilège, et puni avec la dernière sévérité, d'oser affronter le regard du Fils du Ciel, éblouissant d'or et de pierreries, mais aussi de gloire et de sagesse. De temps à autre pourtant, le peuple appliquait lui-même la très ancienne tradition du mandat céleste, autrement dit le renversement du souverain au pouvoir. En 1640, un paysan appelé Li Zicheng rassembla une armée de paysans mécontents et mit pendant 3 ans les campagnes à feu et à sang. Il finit en 1644 par s'emparer de Pékin. Le dernier empereur Ming se suicida et l'aventurier prit le pouvoir. Pas pour longtemps. Appelés à la rescousse par le général en chef de l'armée impériale, les Mandchous ne se firent pas prier. Les belliqueux guerriers venus du nord reprirent le contrôle de Pékin et d'une grande partie de l'empire. Ils procédèrent à la répression de rigueur, puis refusèrent évidemment de céder la place. Les Ming étant discrédités, les derniers rebelles ayant fait soumission, les Mandchous installèrent sur le trône du dragon un de leurs jeunes princes, Chensi. Après 7 ans de combat, celui-ci battit les dernières troupes fidèles à son prédécesseur. Il inaugura la dernière dynastie, celle des Qing. Les Ming ont laissé à la postérité leur mausolée. On y accède par une allée flanquée de statues de pierre, 12 paires d'animaux et 12 dignitaires qui veillent sur les tombes des fils du ciel. Cette nécropole de Badaling est située à une 50aine de kilomètres de Pékin. Les empereurs ont été ensevelis profondément, à une 30aine de mètres sous la surface du sol, avec une profusion d'objets et de meubles précieux. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, quelques concubines étaient emmurées vivantes avec la dépouille de leur seigneur et maître. Tous les trésors des Ming ne furent pas ensevelis avec eux, et notamment la magnifique couronne bleue, devenue sous cette dynastie le symbole de la richesse et de la puissance du souverain. Ce buisson de pierre et d'incrustations précieuses fut évidemment confisqué par les Qing. Durant 300 ans, et jusqu'au début de ce siècle, il constitua l'un des attributs de leur pouvoir. En ouvrant largement leur pays aux influences occidentales, les derniers empereurs Qing adoptèrent une politique lourde de conséquences. Les Anglais importèrent d'énormes quantités d'opium comme monnaie d'échange contre les marchandises locales. Le gouvernement chinois tenta d'y mettre le holà. La Grande-Bretagne intervint militairement et lui infligea la défaite et la honte. La Chine fut contrainte d'accorder aux Britanniques le libre accès à plusieurs de ses ports et la cession de Hong Kong. Cette démonstration de faiblesse excita l'appétit des autres puissances occidentales et des Japonais. Bientôt, ces pays débarquèrent en Chine des fonctionnaires civils et militaires qui s'arrogèrent le droit de gouverner, juger et punir les Chinois dans leur propre pays. Terrible réveil pour un peuple maintenu depuis des millénaires dans la certitude de sa supériorité et dont les occupants commençaient ouvertement à dépecer territoires et richesses. Une antique prophétie affirmait qu'une femme porterait un coup fatal à cette dynastie. Et le prophète avait raison. Cixi, impératrice douairière, au pouvoir depuis 1860, était extravagante, xénophobe et autoritaire. Protégée par des prétoriens à sa dévotion, l'impératrice se flattait de perpétuer 600 ans de gloire accumulés par ses 26 prédécesseurs, Ming et Qing. L'ex-petite campagnarde devenue concubine ne manquait ni de vanité ni d'ambition. Son seul point commun avec la quasi-totalité du peuple chinois était son mépris et sa haine des étrangers, les diables blancs. Elle encourageait donc plus ou moins ouvertement les organisations secrètes qui méditaient une insurrection contre les occupants, et notamment celle des boxers, de redoutables fanatiques nationalistes. Née en 1896, dans les provinces côtières de l'Est, l'insurrection fait tache d'huile. En juin 1900, un demi-million de boxers envahissent Pékin, menacent de massacrer les Européens retranchés dans leurs concessions. Cixi prend peur. Elle fuit avec sa famille à Xi'an, dans le centre du pays. Un corps expéditionnaire international a en effet débarqué pour porter secours aux légations occidentales assiégées depuis près de 2 mois en plein cœur de la capitale. Dans la foulée, la Russie en profite pour envahir la Mandchourie. La répression est impitoyable. Pékin est mise à sac. Les Chinois, condamnés à payer une énorme amende. Lorsque Suu Kyi meurt en 1908, elle laisse un pays à genoux, et pour le diriger, son petit-neveu Puyi, un enfant en bas âge. 3 ans plus tard, dans le tournoiement des rivalités entre les puissances occidentales, l'agitation d'un fort courant nationaliste et l'anarchie ambiante, l'abdication à la sauvette du petit empereur de pacotille mettait fin à un passé plusieurs fois millénaire. Les Chinois, en plein désarroi, avides d'un peu de liberté et de bien-être, héritaient d'une république. Et elle s'annonçait plutôt mal. Pour la présider, on choisit le maréchal Yuan Shikai, un seigneur de la guerre sans scrupules qui s'empressa de dissoudre le Parlement. S'il n'était pas mort quelques mois plus tard, la République n'aurait pas mis longtemps à se transformer en dictature. Les démocrates plaçaient à cette époque tous leurs espoirs en Sun Yat-sen, le fondateur du grand parti nationaliste, le Kuomintang, un visionnaire qui rêvait de soustraire son pays à toute emprise autocratique et à toute influence étrangère. Très jeune, il avait été amené à faire connaissance avec les prisons impériales, ses discours et ses écrits l'ayant fait étiqueter comme dangereux révolutionnaire. Comme preuve, l'emblème de son parti, un soleil rayonnant. Rapidement écarté de la scène politique par l'apprenti dictateur Yuan Shikai, Sun Yat-sen assista impuissant à la guerre de succession qui suivit la mort du redoutable maréchal. Les manifestations d'appel à l'unité ne pouvaient rien contre la mise en coupe réglée de millions d'individus par quelques généraux de fortune. Le conseiller militaire de Sun Yat-sen, un certain Chiang Kai-shek, s'efforça de créer une nouvelle force militaire au sein du Kuomintang. Mais cette armée semblait peser bien peu, à côté de celle des potentats locaux assez riches pour s'offrir une débauche de mitrailleuses et de canons. Ces démonstrations de force militaire venaient à l'appui d'une politique terroriste systématique. Mauvais traitements, fusillades, décapitations. Toute assistance ou même suspicion de sympathie à l'égard des nationalistes était punie d'une exécution sommaire et publique. Tout autre était le climat dans les métropoles. Les puissances occidentales avaient substitué l'intrigue et surtout l'affairisme à leur politique de la canonnière, néanmoins toujours présente. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, à Shanghai ou à Canton, fleurissaient les banques et le commerce international. Rien ne distinguait vraiment ces villes cosmopolites de Londres ou de Philadelphie. Dès 1921, un parti communiste, formé en secret, prêcha la lutte contre toute nouvelle forme de colonisation. Il rallia très vite la majorité des mécontents. Habileté suprême, il réussit à faire alliance avec Sun Yat-sen lui-même. Aucune personnalité ne pouvait mieux fédérer toutes les oppositions que ce personnage charismatique, désigné comme fondateur d'une Chine moderne et indépendante. À l'époque, ses talents politiques étaient comparés à ceux de George Washington. Et à la lecture de ses professions de foi humaniste, ses admirateurs voyaient en lui l'égal d'Abraham Lincoln, un nouvel apôtre des droits de l'homme. La mort prématurée de Sun Yat-sen en 1925 ouvrait une succession lourde à porter. Le pouvoir échut à Chiang Kai-shek, qui assuma à la fois la présidence du Kuomintang et le commandement de l'armée nationale, qu'il lança aussitôt à la reconquête du pays. En 2 ans, il réussit effectivement à s'emparer des provinces centrales, puis orientales. Il agit moitié par force, en recrutant énormément de paysans excédés par les pillages et les meurtres de potentats locaux, et moitié par ruse, en achetant ses adversaires lorsque les armes, la menace ou la négociation n'avaient pas réussi à en venir à bout. En 1930, le gouvernement républicain qui avait déplacé la capitale à Nankin était à deux doigts de réaliser l'unification du monde chinois. Entre-temps, en 1927, Chiang Kai-shek s'était retourné contre ses anciens alliés communistes. Mis hors la loi, l'un de leurs principaux chefs, Mao Tse-tung, s'était réfugié dans le sud, créant une première phalange de partisans armés. Dans les villes, bastion de l'armée nationaliste, l'épuration anticommuniste fut impitoyable. André Malraux en a décrit quelques-uns des plus sanglants épisodes dans la condition humaine. En décembre 1927, un soulèvement communiste à Canton suscita une répression particulièrement meurtrière. Au cours d'un soulèvement dans les campagnes du Yunnan, un meneur réussit à fuir après avoir soudoyé ses gardiens. Les républicains venaient de laisser s'échapper Mao Tse-tung. Mais le mouvement communiste dans les villes fut brisé. Ce coup de force ne fit que conforter Chiang Kai-shek, désormais reconnu sur le plan international. Long list of three people's principles. Long live the revolutionary spirit of the nationalist China. Chiang Kai-shek affirma sa position de successeur de Sun Yat-sen en épousant en 1927 la belle-sœur du fondateur du Kuomintang, une jeune femme célèbre pour son charme et sa beauté, mais qui surtout était chrétienne, formée dans les universités américaines et qui poussait son mari à rapprocher la Chine des États-Unis. Très influencé par sa nouvelle épouse, le généralissime va effectivement s'efforcer durant 10 ans de moderniser une industrie qui resta confinée aux principaux ports et à quelques grandes villes. Ce progrès, d'ailleurs limité, enrichissait surtout une bourgeoisie d'affaires de plus en plus occidentalisée. Cette politique sélective masqua complètement la vraie Chine, celle des masses paysannes. Pour les Américains, pour les Européens, seul un exotisme de bon ton et peut-être une touche de mystère distinguait les rues et les nightclubs de Pékin ou de Shanghai, de ceux de New York ou de Paris. Chine, celle surtout des masses misérables, va basculer bientôt dans une abominable guerre. En 1931, sous prétexte de désordres locaux, les Japonais étaient entrés en Mandchourie. L'année suivante, s'appuyant sur une oligarchie locale, ils créèrent sous le nom de Manchukuo un protectorat confié à quelques collaborateurs à leur entière dévotion. C'est le triomphe de la politique du fait accompli. L'avance japonaise est irrésistible. La Chine découvre la guerre éclair quelques mois avant l'Europe. C'est le brouillon de pas mal de coups de force et d'invasions à venir. Les Japonais inaugurent aussi l'avènement des gouvernements fantoches. À la tête du Manchukuo, ils placent un revenant, Puyi, l'ex-enfant roi, le dernier empereur mandchou démissionné de force 20 ans plus tôt. Que fait Chiang Kai-shek? Il fait la chasse aux communistes. 100 000 partisans qui, ralliés à Mao Tse-tung, entament un repli stratégique de 12 000 km. Cette fameuse longue marche, qui verra seulement 8 000 d'entre eux trouver, en octobre 1935, au bout d'un an d'épreuve, un refuge inexpugnable à Yan'an, dans les montagnes du Chensi. Mao Tse-tung y instaure une nouvelle république des soviets. Ses effectifs militaires sont très modestes, mais ils constituent un défi permanent à l'orgueil de son adversaire. En juillet 1937, les Japonais envahissent la Chine sous un prétexte anodin. Comme l'explique cet attaché militaire américain, les Japonais n'ont même pas cherché de justification plausible. Une brève fusillade ayant éclaté entre un de leurs soldats et des militaires chinois, ils ont décrété que l'incident réclamait une éclatante réparation. Ce 7 juillet, conclut l'officier, la machine de guerre japonaise a une nouvelle fois frappé. L'avance des armées nippones est foudroyante. 3 semaines après le début de leur offensive, elles sont maîtres de Pékin et de tout le nord du pays. Fin novembre, elles s'emparent de Shanghai. La Société des Nations proteste. Peine perdue. Le seul résultat concret de cette condamnation très formelle sera le retrait du Japon de l'Assemblée internationale. Avançant le long du fleuve bleu, les agresseurs s'approchent de Nankin. Le 3 décembre, leurs avant-gardes entrent dans les faubourgs de la ville. Madame Chiang Kai-shek lance un dernier appel angoissé au monde. La mort vient du ciel. Les bombardements tuent des milliers d'innocents. Tandis que Mme Chiang Kai-shek appelle à une problématique mobilisation internationale, Mao Tse-tung exploite la seule faiblesse des Japonais, leur incapacité à imposer leurs lois dans les campagnes, trop vastes pour permettre une surveillance constante. Mao réussit par ailleurs un coup de maître. S'appuyant sur des généraux nationalistes proches de Chiang Kai-shek, il oblige son ennemi mortel à accepter une union sacrée contre l'envahisseur japonais. Un chef communiste, Lin Piao, crée des écoles de formation à la guérilla. Un autre, Chu Te, organise des sabotages sur l'arrière des lignes japonaises. Suivant la célèbre expression de Mao Tse-tung, tous ses partisans étaient comme autant de poissons dans la mer. 1938 concrétisa l'alliance insolite entre nationalistes et communistes en leur offrant de premières victoires sur les troupes d'invasion. L'année avait pourtant très mal commencé. Après seulement 10 jours de siège, les Japonais entrèrent à Nankin le 12 décembre 1937. La prise de la ville est restée tristement célèbre en raison des atrocités auxquelles l'armée victorieuse se livra sur une population désarmée. Les Japonais se rendaient coupables de viols, de tortures, de mutilations. Ils procédaient à des massacres collectifs sur des civils dont le seul crime était d'être chinois. Le bilan exact de cette chasse à l'homme, menée pendant plusieurs semaines, n'a jamais pu être établi. Il est cependant certain que le nombre des morts fut supérieur à 200 000, éliminés la plupart du temps de manière épouvantable, brûlés vifs, enterrés vivants. La sauvagerie aveugle des bourreaux va se retourner contre eux. Chaque enfant martyrisé, chaque femme brutalisée, chaque vieillard battu, poussait à la concrétisation du vieux rêve de Sun Yat-sen, fusionner tous les éléments de son peuple dans une grande volonté d'indépendance. Cette union nationale que ni les divisions bien entraînées de Chiang Kai-shek, ni la foi inébranlable des communistes de Mao Tse-tung n'avaient jusqu'alors réussi à réaliser, les Japonais la forgèrent bien malgré eux. Inféodés pendant des siècles au pouvoir absolu de leurs empereurs, les Chinois refusèrent un esclavage imposé par un peuple étranger, et qui plus est, unanimement exécré. Soudés par la haine de l'envahisseur, ils parlaient cette fois d'une même voix. Même s'ils dissimulaient parfois des arrière-pensées, les messages aboutissaient à la même conclusion. Tous unis dans la haine du japonais, la volonté de le rejeter par tous les moyens au-delà des frontières nationales. Hommes politiques ou orateurs de fortune, militaires ou civils, incultes ou instruits, riches ou pauvres, tous devinrent du jour au lendemain autant de résistants déterminés. La nation entière doit s'élever comme un seul homme et combattre ces bandits japonais. Nous soutiendrons cette guerre de toutes nos forces. Notre guerre est celle de la survie et de l'indépendance. Nous ne nous soumettrons jamais et résisterons jusqu'au bout. Chiang Kai-shek décida alors de regrouper ses forces à Chongqing, dans la province du Sichuan. Il appliqua en somme la tactique adoptée 4 ans plus tôt par les communistes face à ses propres troupes. De leur nouvelle retraite, très bien protégée, les nationalistes pouvaient orchestrer un harcèlement dans le sud, tandis que les hommes de Mao Tse-tung continueraient leur opération de guérilla dans le nord. Dans sa retraite, l'armée de Chiang Kai-shek appliqua la politique de la terre brûlée. Les routes furent éventrées, les voies de chemin de fer démantelées, les bâtiments stratégiques dynamités, les récoltes brûlées. Tout ce qui ne pouvait pas être emporté et qui aurait pu servir à l'ennemi fut détruit. On vit alors un exode tel que le monde n'en avait jamais connu. 30 millions d'hommes suivant la retraite de leur armée pour échapper aux Japonais et reprendre la lutte plus à l'ouest. 30 millions d'hommes lancés dans un exil volontaire de 3000 km, emportant avec eux tout ce qui pouvait l'être. Leur maigre bagage personnel, mais aussi 150 000 tonnes d'équipements industriels démontés à la hâte et transportés en camions, en charrettes et parfois à dos d'hommes. La Chine profonde sauvait ce qui pouvait encore l'être pour préparer la revanche. « 20 millions de Chinois vivent hors de leurs frontières. La plus importante de leur communauté à l'étranger est celle de San Francisco, qui compte 150 000 personnes. » Tous les Chinatowns du monde témoignent de l'attachement des Chinois à leurs traditions, qu'elles concernent la nourriture, la médecine, la religion ou tout autre mode de vie. Les premières émigrations massives datent du début du 19e siècle. Elles trouvent leur origine dans la politique très répressive menée par les empereurs mandchous à l'égard d'une paysannerie écrasée de taxes. À l'époque, les Chinois immigrés en Amérique furent recrutés par milliers pour la construction des premières voies de chemin de fer. Un second exil massif se produisit entre les deux guerres mondiales, provoqué par les luttes internes entre communistes et nationalistes, et surtout par la terreur des Japonais. La stratégie nippone visait à écraser la Chine avant d'attaquer les États-Unis. Tokyo était persuadé que l'isolationnisme des Américains les dissuaderait d'intervenir de quelque manière que ce soit en Asie. Sur place, les Japonais avaient tenté de se rallier Chiang Kai-shek. Mais en vain. Le leader nationaliste se méfiait tout autant des Nippons que de ses compatriotes communistes, avec lesquels il finit par rompre définitivement en 1940. Affolés, ne sachant à quel saint se vouer, des millions d'hommes et de femmes continuaient de se lancer sur les routes, emmenant avec eux tous leurs biens, fuyant vers le centre du pays par monts et par veaux, vers les zones les plus inaccessibles, réputées par conséquent les plus sûres. S'il y avait une chose à laquelle aspirait Chiang Kai-shek, c'était un affrontement direct entre le Japon et les États-Unis. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor aura effectivement, entre autres conséquences, de lui valoir l'appui militaire que depuis longtemps il quémandait en vain à Washington. Selon le vieux principe « les ennemis de mes ennemis sont mes amis », les Américains expédièrent à leurs alliés nationalistes d'importantes quantités de matériel de guerre ultramoderne. Leur acheminement constituait le principal problème. Le Pacifique était infesté de sous-marins et de destroyers ennemis, et son ciel n'était pas sûr. L'essentiel du transport devait transiter par voie aérienne, mais par le sud, au-dessus de l'Himalaya. De telles expéditions ne permettaient de livrer à l'armée nationaliste que quelques milliers de tonnes d'armes et de munitions par mois. Encore fallait-il les acheminer ensuite aux 2 millions de soldats disséminés dans le centre du pays. Réputé pour son franc-parler et son sale caractère, le général américain Joseph Stillwell s'était vu confier par son état-major la mission de superviser en Inde l'entraînement des recrues chinoises. Stillwell appréciait ses troupes, mais il ne se faisait aucune illusion sur les qualités de leur chef. Le gouvernement du Kuomintang était corrompu. Les généraux auxquels il avait confié son armée l'étaient plus encore. Ils étaient en outre impopulaires auprès de leurs hommes généralement mal nourris, mal soignés, traités comme quantité négligeable. Une attaque terrestre contre les nationalistes paraissant hasardeuse, les Japonais eurent recours à leur puissante aviation, lancée massivement à l'assaut de la capitale provisoire, Chongqing. À cette armada aérienne, les Chinois n'avaient à opposer que quelques escadrilles d'appareils surclassés. Faute d'une défense antiaérienne appropriée, Chongqing constituait une cible de choix pour les bombardiers japonais. La ville, qui comptait 200 000 habitants en 1938, s'était peu à peu gonflée d'un flux ininterrompu de réfugiés. Dès 1940, sa population avait quintuplé. Japonais étaient à l'unisson de ceux que vivait l'Europe à la même époque. Ils visaient à détruire la capacité combative de l'armée ennemie, mais aussi à terrifier la population. Malgré ce déluge de feu, les civils résistèrent. Enterrés à plusieurs mètres sous terre, les usines continuèrent à produire, à l'abri des bombes. Les civils résistaient à Chongqing, mais plus volontiers encore dans les maquis communistes, réputés efficaces et surtout intègres. Eux payaient ce qu'ils achetaient, et entre deux embuscades, ils aidaient aux travaux des champs. Dans l'autre camp chinois, la force militaire avait plus belle allure encore, mais elle était minée de l'intérieur par la corruption de ses chefs, qui n'hésitaient pas à détourner la solde de leurs hommes, par un déficit de nourriture et par le manque de soins médicaux. Les nationalistes n'avaient pas le moral. Par contre, celui des hommes de Mao Tse-tung était au zénith. Des hommes et aussi des femmes désormais associés activement au combat, comme elles l'étaient à la vie quotidienne. Indifférents à ces querelles internes, des milliers de volontaires étrangers vinrent renforcer les rangs alliés, tels ces pilotes américains et britanniques, les tigres volants du colonel Chenot, qui infligèrent à leurs adversaires des pertes 20 fois supérieures aux leurs. Dès 1939, la marine japonaise ayant renforcé son blocus, les côtes chinoises devinrent inaccessibles à tout renfort par mer. La seule solution de substitution consistait à acheminer les approvisionnements par voie terrestre, soit en remontant la péninsule indo-chinoise, soit par le nord-ouest, en contournant le désert de Gobi. Mais dans l'un et l'autre cas, les pistes étaient étroites, dangereuses et exposées à des attaques japonaises. Dernière possibilité, utiliser la voie de chemin de fer reliant le port de Rangoon à la Chio, dans le nord de la Birmanie, puis la route entre Kunming et Chongqing. Mais entre les deux se dressent des montagnes culminant à 3000 mètres et parcourues seulement de sentiers muletiers. Les ingénieurs occidentaux étaient formels. Construire ici une route digne de ce nom réclamerait 6 à 7 ans et du matériel de terrassement moderne. Les Chinois ne disposaient ni d'un tel délai, ni d'un tel équipement. Ils pouvaient mobiliser par contre des centaines de milliers de bras qui effectuèrent le travail avec des pelles, des pioches et à main nue. Plus tard, les premiers convois arrivaient dans la capitale nationaliste en direct de Rangoon. Cet exploit valut à Chiang Kai-shek un regain de confiance des Occidentaux, même si très vite, les progrès foudroyants de l'offensive japonaise coupèrent cette route de Birmanie. Au Caire, en 1943, le leader nationaliste, toujours accompagné de sa femme, fut invité à siéger aux côtés de Roosevelt et de Churchill. En coulisses, beaucoup commençaient cependant à émettre des doutes sur ses capacités à gouverner. Retranchés dans leur fief du Nord, les communistes étaient déjà en situation d'affirmer leurs exigences. En 1937, ils administraient 2 millions de paysans. En 1944, plus de 100 millions. Mao Tse-tung voyait beaucoup plus loin. À l'époque, il s'attacha à forger son image de prophète infaillible. Il rédigea les premiers préceptes de ce qui deviendra 30 ans plus tard une Bible politique destinée à servir de référence à un 5e de l'humanité. En faisant associer aux populations rurales le terme de communiste à celui de résistant, Mao créa un nationalisme de masse qui allait faire sa fortune politique. L'idéalisme américain rêvait d'une réconciliation entre Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek, l'alliance entre l'eau et le feu. le général Stillwell prêchait lui aussi la réunification sous un commandement unique des deux armées chinoises, celle des communistes et celle des nationalistes. Mal lui en prit, Chiang Kai-shek, oubliant tout ce qu'il lui devait, réclama son limogeage. Roosevelt prit la peine d'envoyer sur place son médiateur personnel, Patrick Hurley. Rien n'y fit. Chiang Kai-shek avait la rancune tenace. Stillwell, déçu et désabusé, reprit l'avion pour les États-Unis. Les Soviétiques, quant à eux, volaient au secours de la victoire. Le jour de l'attaque nucléaire américaine sur Nagasaki, ils envahirent la Mandchourie. Les communistes russes et chinois avaient coordonné leur action pour rejeter les Japonais à la mer et s'assurer la possession de la Mandchourie, une région très industrialisée et donc stratégiquement essentielle. Maîtres de la place, les Russes refusèrent évidemment de l'évacuer au profit de leurs alliés chinois. Mao Tse-tung saura se souvenir quelques années plus tard de ce mauvais tour joué en 1945 par ses partenaires soviétiques. Les prisonniers japonais se comptaient par dizaines de milliers, y compris des officiers de haut rang. Tous furent échangés contre de fortes rançons. Mais ce qui intéressait surtout Mao Tse-tung, c'était la récupération d'un énorme butin d'équipement militaire. En échange de son appui, il obtint des Russes la cession de l'armement abandonné par les Japonais, un redoutable arsenal pour sa lutte à mort contre les nationalistes. Le peuple avait choisi son camp. Il conservait pour symbole le soleil rayonnant du Kuomintang, mais il l'inscrivait dorénavant sur fond rouge. Les communistes chinois étaient à la croisée des chemins. Ils hésitaient encore à jouer leur avenir sur une réforme agraire généralisée. En 1946, le parti franchit le pas. 2000 ans de tradition étaient abolis. Les terres étaient confisquées au profit du peuple. L'année suivante, les expropriations touchaient le bétail et l'outillage. En quelques mois, 100 millions d'agriculteurs accédèrent ainsi à la propriété. Déjà apparaît Lin Piao, un homme qui va compter dans l'histoire de la Chine contemporaine, vétéran de la Longue Marche et de la guerre contre le Japon, alors conseiller privilégié du Parti communiste dans sa lutte contre les nationalistes. À droite, dans l'arène, Chiang Kai-shek. À gauche, son challenger, Mao Tse-tung. À l'époque, les Occidentaux les renvoient encore dos à dos. Sur le cuirassé Missouri, les Japonais vaincus signent leur capitulation face aux États-Unis et à leurs alliés, parmi lesquels les Chinois, du moins les Chinois nationalistes, car ceux-ci ont bien entendu exigé d'être les seuls ici à représenter leur pays. Pourtant, Mao Tse-tung fait un geste. À 51 ans, il prend l'avion pour la première fois afin de rencontrer Chiang Kai-shek. En fait, les deux vieux renards n'ont aucunement l'intention de faire alliance. Pour l'heure, chacun veut s'approprier la Mandchourie, d'où le Japon vaincu a bien entendu été éjecté. Les deux armées chinoises font de la récupération de cette région vitale une question de principe. Pressés par les Américains de constituer un gouvernement de coalition, communistes et nationalistes se livrent à un simulacre de négociation. Ces poignées de main de complaisance ne peuvent empêcher que 2 mois plus tard, la guerre civile n'éclate. Mao franchit le pas car il sait que la nouvelle armée rouge surclasse désormais ses adversaires dans tous les domaines. Qualité de commandement, mobilité et surtout un moral à toute épreuve. Quant aux populations, elles n'ont littéralement plus rien à perdre. Près de 10 années de guerre les ont mises à genoux. Ceux qui ont échappé aux épidémies sont décimés par des famines, comme celle qui, dans le Yunnan, fait à l'époque plus de 4 millions de victimes. Dès 1948, les communistes démontrent qu'ils sont désormais capables de s'imposer dans de véritables batailles rangées. Les grandes villes du pays tombent les unes après les autres entre leurs mains. Et en janvier 1949, les nationalistes subissent à Suzhou, à 500 km au sud de Pékin, une défaite décisive qui leur coûte plus d'un demi-million d'hommes et une bonne partie de leurs armes lourdes. Madame Chiang Kai-shek ne suffisait plus à subjuguer le président Truman. Les Américains étaient excédés par l'obstination du chef nationaliste qui rejetait toute demande de réforme et s'obstinait à n'envisager de solution que militaire, tout en multipliant les erreurs stratégiques. Car plus rien désormais ne pouvait empêcher les communistes de s'emparer de la totalité de la Chine continentale. Ce fut chose faite à la fin de l'année, tandis que Mao proclamait à Pékin l'avènement de la République populaire, Chiang Kai-shek, les débris de son armée et 2 millions de civils se réfugiaient sur l'île de Taïwan. Les hommes d'affaires étrangers, eux aussi, firent précipitamment leurs valises. À Nankin, à Shanghai, les dernières officines occidentales plièrent bagages. Les premiers bilans économiques du nouveau pouvoir furent impressionnants. En 3 ans, les communistes jugulèrent l'inflation, rétablirent la production à son niveau d'avant-guerre et réalisèrent la réforme agraire prélude à la mise en place de coopératives étatiques. La situation aux frontières était pourtant explosive. En juin 1950, le gouvernement communiste nord-coréen avait envahi la Corée du Sud, dont les dirigeants de droite étaient soutenus par Washington. On ne sait toujours pas aujourd'hui si Mao Tse-tung fut averti de cette invasion qui, dans le contexte de l'époque, servait plus les intérêts de l'URSS que ceux de la Chine, occupée à liquider les derniers îlots de résistance nationaliste. À Washington, les faucons réclamaient une intervention armée. Mais le président Truman ne pouvait négliger les réticences qui se manifestaient dans son opinion publique. Finalement, c'est une force internationale qui fut chargée par l'ONU de juguler l'invasion nord-coréenne. Mais en fait, il s'agissait essentiellement d'unités américaines. Mao Tse-tung vit donc dans cette opération une ingérence directe des États-Unis, d'autant plus inquiétante pour lui qu'en quelques semaines, le corps expéditionnaire commandé par MacArthur, menant une audacieuse guerre éclair, avait repoussé les agresseurs très au-delà de leur base de départ, et même jusqu'aux frontières de la Mandchourie, c'est-à-dire de la Chine. Pékin intervint alors militairement, envoyant en renfort à ses alliés coréens 500 000 soi-disant volontaires, en fait des soldats de l'armée régulière. Parmi eux, le fils de Mao Tse-tung qui fut tué au combat en mai 1951. Après 6 mois d'offensive et de contre-offensive, les 2 armées furent bloquées face à face sur le 38e parallèle. Elles s'imposèrent durant 2 ans une inutile guerre d'usure. Le sort des réfugiés et des populations civiles en général n'était pas plus enviable. Encore, ces dernières échappèrent-elles au pire. Désespérant de voir se débloquer la situation militaire, MacArthur suggéra de lâcher quelques bombes atomiques sur la Chine. Truman le releva aussitôt de son commandement. Pressentant une issue diplomatique qui les amènerait à se retirer de Corée, les Américains détruisirent systématiquement dans la zone encore placée sous leur contrôle tout ce qui pourrait servir à l'ennemi. Les usines, les constructions militaires, les installations portuaires. L'armistice signé en 1953 à Panmunjom est toujours en vigueur. En 1959, l'armée de Mao s'était déjà trouvée engagée au Tibet, dont les habitants n'avaient pas eu grand-chose à opposer aux 400 000 soldats chinois qui débarquaient chez eux, d'abord sous le prétexte de gérer leur défense et leurs affaires étrangères, puis très vite pour les annexer purement et simplement. Autre région réputée autonome, la Mongolie, en fait elle aussi totalement sous tutelle. Dans les deux cas, il s'agit de territoires désertiques et montagneux, considérés par les Chinois comme beaucoup plus simples à défendre qu'autrefois la Grande Muraille. Pas plus que les Tibétains, les Mongols ne furent faciles à convaincre. Ce sont des nomades pour qui la réforme agraire n'a évidemment aucun sens. Il fallut donc, ici aussi, de temps à autre, substituer la force à la persuasion. Et là, plus qu'ailleurs, le totalitarisme chinois multiplia les campagnes publiques qui visaient à la fois à inspirer la crainte mais aussi à convaincre et à rallier. Car si les procédures étaient expéditives, les buts ne pouvaient que séduire les masses populaires. Lutte contre la fraude, le gaspillage, la corruption et le trafic d'influence. Pendant 2000 ans, pratiquement chaque année, des centaines de milliers et parfois des millions de Chinois étaient morts de faim. Le nouveau régime réussit à démontrer que ce fléau ne constituait pas une fatalité. La collectivisation des terres, les cultures en terrasse dans les zones montagneuses, l'amélioration de l'irrigation en plaine devaient permettre à 80% de la population active de nourrir la totalité de la nation. Cela ne se fit pas sans drame. Les anciens propriétaires fonciers, d'abord dépouillés, furent ensuite désignés à l'exécration du peuple. Le nombre d'exécutions liées à cette réforme économique, à laquelle l'État communiste voulait donner un caractère exemplaire, n'a bien entendu jamais été révélé. Mais les chiffres avancés oscillent entre 1 et 5 millions de morts. Souvent, les autorités étaient dépassées par le climat de suspicion qu'elles avaient elles-mêmes créé. Dans beaucoup de communautés villageoises, les cadres du parti mis en place profitaient de leur parcelle de pouvoir pour régler des comptes. Peu à peu, les théoriciens de la Révolution découvrirent qu'il y a loin d'une justice abstraite à son application sur le terrain. Le gouvernement réussit néanmoins, au début des années 50, à mobiliser les masses paysannes et à transformer profondément des rapports sociaux et politiques souvent détestables, enracinés depuis des temps immémoriaux. Rien ne fut épargné pour augmenter les rendements dans ce secteur. Les nouveaux dirigeants de la Chine étaient conscients que dans leur pays, toute croissance économique est tributaire du niveau de la production agricole. Les efforts considérables qui ont été faits, hier comme aujourd'hui, pour limiter le taux de croissance démographique ne peuvent empêcher que chaque année, 12 à 15 millions de bouches supplémentaires viennent réclamer leur lot de nourriture quotidienne. Pressé par les nécessités alimentaires, le parti décréta en 1958 un grand bond en avant, censé faire rattraper à l'agriculture le retard pris au fil des années sur la production industrielle. Très mal évaluée, cette opération conduisit le pays au bord d'une véritable catastrophe. Elle coûta à la Chine 5 ou 6 ans de retard dans sa course au développement. Dès 1949, les efforts déployés en matière d'enseignement furent considérables. Afin de réduire la complexité de la langue écrite, les signes de base furent réduits et simplifiés. Aujourd'hui, le taux d'alphabétisation varie de 30% au Tibet à 90% dans le nord-est du pays. Et il n'est plus de mise de montrer dans les écoles des films incitant la jeunesse à lutter jusqu'à la mort contre les impérialistes américains et les nationalistes terrés à Taïwan. l'industrie subit elle aussi le marasme causé au début des années 60 par le grand bond en avant. À force de vouloir produire trop, et trop vite, les usines fournirent des produits médiocres. Et le départ des ingénieurs soviétiques qui suivit la détérioration des relations avec l'URSS priva les Chinois d'une bonne part de leurs acquis technologiques. Ce n'est qu'au début des années 80 que le parti ayant cessé d'interférer systématiquement sur la planification, un nouveau courant d'émulation et de concurrence permit de restaurer la qualité de la production et de faire accéder le pays au 6e rang mondial des nations industrialisées. Le développement économique était aussi handicapé par la hantise d'une invasion armée. La pression maintenue par les soviétiques le long de leurs frontières communes avec la Chine justifiait le maintien sur pied de guerre d'une armée de 4 millions d'hommes, mais aussi la formation permanente d'une milice supplétive, dont les heures d'entraînement étaient évidemment à prélever sur celles consacrées au travail. Une tension renforcée par les interventions américaines en Asie, et illustrée par ce jouet qui montre un GI pendu par des guerrilleros. L'échec du grand bond en avant avait mis Mao Tse-tung sur la touche. Ce n'est pas pour autant que le pays renonça à son image de gigantisme, d'une multitude vouée tout entière à concrétiser les slogans martelés par ses chefs. C'est de cette époque que datent ces images impressionnantes montrant des centaines de milliers de jeunes Chinois officiant dans les grandes messes organisées par le régime. Reprenant les rênes du pouvoir quelques années plus tard, Mao encouragera cette ferveur jusqu'à la transformer en hystérie, en un culte aveugle, tel qu'aucun dictateur avant lui n'avait osé l'imaginer. Ce lyrisme de masse ne survécut pas à son inspirateur. Avant même les soviétiques, les Chinois renoncèrent à ces démonstrations d'enthousiasme qui n'abusaient même plus les participants eux-mêmes. Autrefois adulés comme les pères de la révolution socialiste, les soviétiques étaient devenus pour les Chinois, au début des années 60, des partenaires aussi peu fréquentables que les capitalistes occidentaux. Se considérant dorénavant comme le seul héritier valable de Marx et de Lénine, Mao Tse-tung s'en alla porter la bonne parole auprès des pays du tiers-monde, en Asie, en Afrique et même en Amérique latine. Mais en fait, la politique étrangère de Pékin fut complètement faussée par la détérioration des relations sino-soviétiques. La diplomatie chinoise se contentera pendant 15 ans de soutenir tout mouvement de libération, pourvu qu'il soit rival d'un autre mouvement soutenu par Moscou. Après le putsch au Chili en septembre 1973, c'est la Chine qui, la première, renvoya l'ambassadeur du régime Allende, coupable d'avoir intégré des ministres communistes pro-soviétiques. En outre, l'expérience fera apparaître, en ce qui concerne plus spécifiquement le continent noir, une inadéquation totale entre la mentalité chinoise et celle des peuples africains, auxquels elle prétendait inculquer son idéologie. Sur le plan intérieur, l'effacement provisoire de Mao entraîna une nouvelle politique pragmatique, plutôt de nature à donner au régime une image avenante. On concéda le rétablissement de certaines pratiques pudiquement baptisées « petites libertés », telles le droit de cultiver une parcelle privée et d'en vendre les produits sur les marchés locaux, ou encore une certaine adaptation des salaires à la productivité. Des méthodes précédemment jugées anti-révolutionnaires. L'explosion de la première bombe atomique chinoise fut présentée par Pékin comme la démonstration d'une nouvelle croissance et d'une indépendance accrue, notamment vis-à-vis de l'URSS. Dans ce film officiel d'époque, le commentaire situe la force atomique chinoise à l'égal de celle des grandes puissances occidentales. Ingénieurs, personnel technique et scientifique, officiers et autres membres de l'armée de libération du peuple ont levé haut le drapeau rouge de la pensée de Mao Tse-tung. Leurs convictions politiques, leur créativité et la pensée du président ont coopéré avec vigueur et détermination pour forger cette arme absolue. C'est un gigantesque succès personnel pour Mao Tse-tung, conclut le commentateur, et un gigantesque succès pour sa politique. Longue vie au Parti communiste chinois et longue vie au président Mao. On fit ensuite charger quelques unités de malheureux cavaliers dans la zone de l'explosion pour démontrer l'absurdité de la propagande occidentale, mettant en garde contre les dangers de radiation. La Chine procéda à d'autres expériences nucléaires suivies, en 1967, de l'explosion d'une première bombe à hydrogène. Ces images furent largement diffusées, assorties une nouvelle fois de louanges dithyrambiques à l'égard des travailleurs, soldats et scientifiques artisans du projet nucléaire. Les dirigeants chinois étaient alors incapables de propulser leurs bombes hors de leurs frontières, mais leur seule entrée dans le club atomique était de nature à mettre en garde les puissances occidentales, à impressionner de manière spectaculaire leur propre opinion publique, et aussi à déclencher une contre-propagande débridée en URSS. Les fanatiques chinois révèlent leur visée dominatrice sur le monde, accuse ce film soviétique. Ils ont présenté cet événement à leur peuple comme un triomphe. Mais visiblement, les villageois ne sont pas convaincus. On fait la fête, comme au moment des récoltes. Mais on n'a rien récolté. C'est une joie mal programmée. La contre-propagande soviétique dénonce aussi l'endoctrinement des enfants. Ces images inquiétantes devraient faire réfléchir ceux qui, en Europe, ceux qui, même à Paris, défendent la pensée de Mao. Les communistes chinois remplacent les jouets de leurs enfants par des armes. Et ce film établit la comparaison. N'est-ce pas ainsi que les nazis ont corrompu leur jeunesse? N'est-ce pas ainsi que les Japonais ont endoctriné leurs écoliers? Et de même les fascistes italiens? Le début des années 60 marqua l'apogée de cette guerre froide. Pour faire oublier l'échec du Grand Bond, il était très opportun de focaliser l'opinion sur la haine des ennemis étrangers. Dans les campagnes, on décréta symboliquement la mobilisation permanente. Et dans les grandes villes, à Pékin, à Shanghai, on construisit d'immenses cités souterraines, qui, en cas de conflit, étaient censées abriter le gouvernement et les organes vitaux chargés d'organiser la résistance à l'envahisseur, avec des centres de communication, des magasins et même des milliers de bicyclettes destinées à assurer les liaisons dans ces centaines de kilomètres de tunnels. Dans les campagnes, les populations étaient entraînées à la guérilla, dans la perspective d'un déferlement russe. Chaque paysan était tenu d'apprendre à placer des pièges, à enterrer des mines, à manier des engins anti-chars plus ou moins bricolés, et bien entendu, à tirer au fusil. Cette recette n'était pas neuve. Créer une menace en grande part fictive pour détourner l'attention du peuple de ses problèmes de subsistance. la guerre du Vietnam et ses conséquences dans l'ensemble de la péninsule indochinoise aggravèrent encore la tension entre la Chine et l'URSS. Moscou et Pékin firent d'abord de la surenchère dans l'assistance du Front de Libération et au gouvernement de Hanoï. Incontestablement, Mao se sentait impliqué dans ce combat qui ne pouvait que lui rappeler celui qu'il avait lui-même mené 30 ans plus tôt contre le capitalisme. Mais les Vietnamiens eux-mêmes furent d'une extrême prudence. Même au pire moment des offensives américaines, écrasés sous les bombes et soumis à un impitoyable blocus, ils se gardèrent d'hypothéquer leur indépendance en échange d'une aide extérieure, qu'elle soit russe ou chinoise. L'échec du grand bond en avant avait entraîné la mise à l'écart de Mao Tse-tung, mais n'avait pas suffi à l'évincer définitivement. Il fit un retour en force en 1965, en lançant la révolution culturelle, essentiellement dirigée contre les intellectuels qui l'avaient évincé 5 ans plus tôt. Le pays sombra une nouvelle fois dans le chaos et l'anarchie. Au-delà de l'apparence de ces images idylliques d'un paradis retrouvé, le peuple eut à subir une nouvelle fois des centaines de milliers de persécutions, d'arrestations arbitraires et d'exécutions. Sous prétexte de retour aux sources, l'instruction, la culture, toute forme de création artistique furent mises hors la loi par des cohortes d'étudiants et de lycéens fanatisés. Devenu sénile, le grand timonier faisait l'objet d'un culte de la personnalité délirant. Mais le peuple n'était pas dupe. En 1967, il fallut faire appel à l'armée pour briser une guerre civile. Le ministre de la Défense, Lin Piao, tenta d'en profiter pour imposer sa loi. Il fut discrètement éliminé. Le premier ministre Zhou Enlai appliqua alors une stratégie modérée concrétisée par l'entrée de la Chine communiste aux Nations Unies et une visite à Pékin du président américain Richard Nixon. Le déplacement du plus important porte-parole du monde occidental, connu en outre pour ses sentiments profondément anticommunistes, représentait pour les dirigeants chinois un témoignage essentiel de leur reconnaissance sur la scène internationale. Les réticences des milieux immigrés chinois aux États-Unis n'y pouvaient plus rien. Cette manifestation d'intérêt diplomatique gagnait l'Europe. Les dirigeants allemands, emmenant à leur suite quelques-uns des patrons de leur industrie, furent accueillis à Pékin à bras ouverts, tout souvenir des anciennes alliances germano-japonaises étant mis en veilleuse. L'état de santé de Mao s'était aggravé, au point qu'il n'identifiait plus clairement ses interlocuteurs, comme ici le président américain Ford. Les perspectives de sa prochaine disparition firent se déchaîner les radicaux. Regroupés autour de la femme de Mao, Chiang Kai-shek, ils rêvaient de prendre le contrôle du parti, de relancer la révolution et de balayer les modérés, Zhou Enlai et Deng Xiaoping. Mais le peuple aspirait à un retour au calme. Les décès de Zhou Enlai et de Mao, survenus en 1976, ne permirent pas aux champions de la ligne dure du parti de prendre le pouvoir. Dès 1978, l'histoire officielle chinoise jeta un voile sur les dernières séquelles de la révolution culturelle. Pour les Européens et même pour les Américains, la Chine redevenait un pays civilisé, voire à la mode, par certains biais inattendus comme l'acupuncture. On vit fleurir des cabinets médicaux spécialisés dans cette pratique ancestrale qui consiste, à l'aide d'aiguilles superficiellement piquées dans des points spécifiques du corps, d'équilibrer le flux d'énergie vitale. À Pékin, la femme de Mao et ses principaux complices, baptisée la Bande des Quatre, étaient arrêtés, soumis à un procès public et condamnés pour excès de zèle révolutionnaire à de lourdes peines d'emprisonnement. Le réformisme n'était plus de saison, la Chine aspirait à se ressourcer. Et dans ce pays, les traditions ne manquent pas. Celles du mariage sont particulièrement variées. Ici, le rite est relativement simple. On organise une ronde et les garçons s'efforcent de séduire musicalement la jeune fille de leurs rêves. Ici, dans les montagnes du Guizhou, les choses se compliquent. Pendant que sa bien-aimée est censée dormir, son prétendant creuse un orifice dans le mur de sa chambre. Il y fait passer une baguette dont il se sert pour réveiller l'élu de son cœur. La jeune fille demande le nom de l'intrus. Si le garçon lui plaît, il reçoit l'autorisation de passer la nuit sur place. Sinon, il est prié de rentrer chez lui. Et on attend qu'un autre se présente. Dans certaines régions, enfin, on pratique le mariage à l'essai. La cérémonie préliminaire est très complexe et réclame toute une mise en scène. Le jeune homme entame un chant d'amour censé attirer irrésistiblement celle qu'il aime. La nuit suivante, il est admis qu'il se faufile discrètement dans sa chambre. Si le lendemain le fiancé ne reparaît pas, tout est rompu. Et le successeur ne se formalisera pas qu'un autre l'ait précédé. Dans les villes, les rapports amoureux sont vécus de manière très peu romantique. Officiellement interdits, les mariages arrangés restent monnaie courante. Par ailleurs, de nombreux tabous laissent peu de place aux rendez-vous galants. Le poids de la morale traditionnelle, une surveillance parentale très stricte, mais surtout les simples conditions de la vie urbaine, qui créent une terrible promiscuité. Nul n'est à l'abri des regards, même pour un court moment. La vie privée, telle que la conçoivent les Occidentaux, n'a pas de sens dans les mégapoles chinoises. Certains n'ont d'autre solution que de chercher l'âme sœur dans des soirées dansantes sponsorisées par le parti, ou d'avoir recours à l'ordinateur, l'engin magique qui, ici comme partout, engrange et redistribue les petites annonces matrimoniales. Qui dit couple suggère enfants à naître. Et ce problème-là en Chine est littéralement vital. La population dépassant très largement le milliard, l'État mène une politique autoritaire de limitation de la natalité. L'objectif, un seul enfant par famille jusqu'en 2060. On a haussé l'âge minimum légal pour se marier, on libéralise l'avortement, on encourage financièrement les mariages tardifs. Mais on enregistre néanmoins 25 millions de naissances par an. C'est 3 fois plus qu'il n'est raisonnable. On se bouscule en Chine et on s'écrase à Hong Kong depuis qu'en 1841, les Britanniques obtinrent une concession extrêmement profitable sur le port et ses abords immédiats. Pendant près de 100 ans, l'Union Jack flotta à l'embouchure de la rivière des Perles pour le plus grand profit de la couronne. l'occupation japonaise n'interrompit que très brièvement cette source de prospérité. Mais en 1982, le gouvernement de Pékin se sentit assez puissant pour remettre en question le statut du territoire. Le 1er juillet 1997, Hong Kong devrait redevenir chinois, avec cependant, et pour un demi-siècle supplémentaire, un statut spécial, dont les termes restent à préciser. À la fin du siècle dernier, la ville hébergeait 300 000 habitants. En 1940, ils étaient 1,5 million. Aujourd'hui, 6 millions, dont 98% d'origine chinoise, et pour un quart de moins de 25 ans. C'est l'une des densités de population les plus élevées au monde. C'est d'ailleurs la ville de tous les records, une singulière enclave capitaliste en Asie, où le chômage est pratiquement inexistant, où le salaire moyen est 10 fois plus élevé qu'à 100 km de là, en Chine populaire, et dont la balance commerciale est en parfait équilibre. Si Pékin a décidé de faire valoir ses revendications sur le territoire, les Chinois ne sont pas prêts pour autant à tuer la poule aux œufs d'or. Ils ont dès à présent promis une large autonomie à cet immense bureau commercial, où se négocie la quasi-totalité de leurs échanges commerciaux. L'ouverture de la Chine sur le monde occidental a également permis de redécouvrir le panda géant, espèce en voie de disparition et aujourd'hui protégée par la loi. Le sous-sol de Pékin est parcouru d'un immense réseau de tunnels dans lesquels ont été emménagés des bureaux et des magasins. Il s'agit en fait d'une reconversion. À l'origine, cette taupinière avait été creusée pour servir d'abri anti-aérien au même titre que les stations de métro. Cela à une époque où les autorités chinoises considéraient comme hautement probable une guerre avec l'Union soviétique ou avec les États-Unis. Un vieux dicton affirme ici « Vous n'êtes rien tant que vous n'avez pas vu la Grande Muraille ». C'est évidemment le monument le plus visité de Chine, particulièrement sur le tronçon qui franchit la passe de Badaling, à seulement 70 km de Pékin. Non moins fascinante, et presque aussi fréquentée, la cité interdite qu'il l'était effectivement autrefois aux non-initiés, mais qui abrite aujourd'hui quelques-uns des plus riches héritages artistiques du pays et le témoignage de l'opulence souvent indécente des empereurs qui s'y succédèrent du début du XVe siècle jusqu'à l'avènement de la République en 1911. Face au palais impérial, la place Tiananmen, la place de la paix céleste, dont la superficie fut quadruplée dans les années 50 afin de pouvoir accueillir 1 million de personnes et dépasser en gigantisme la place rouge de Moscou. C'est d'ici qu'en 1966, Mao lança la jeunesse chinoise dans la terrible aventure de la révolution culturelle. C'est ici aussi qu'en 1976, 100 000 citoyens, lassés par 10 ans d'excès, organiseront spontanément une veillée funèbre à la mémoire du modéré Zhou Enlai. Une fureur et une animation que l'on a peine à imaginer lorsque, comme toutes les grandes places du monde, Tiananmen est rendu aux promeneurs, aux virtuoses du cerf-volant et aux lecteurs des journaux muraux, rédigés à la main. Hu Yaobang, élu président du parti en 1981, avait été limogé 5 ans plus tard pour excès de libéralisation. À sa mort en 1989, les étudiants, les intellectuels, manifestèrent pour réclamer un retour à sa politique d'ouverture. Cet appel à plus de justice et de liberté eut rapidement un écho exceptionnel. Le 27 avril, 1 million de contestataires défilent à Pékin. Le 2 mai, le mouvement gagne Shanghai. Le 4, des milliers d'étudiants campent sur la place Tiananmen. Le 19 mai, le Premier ministre Li Peng fait appel à l'armée. malgré l'instauration le lendemain de la loi martiale, les manifestants refusent de se retirer. Pour ne rien apaiser, cette contestation coïncide avec une visite officielle programmée de longue date, celle du grand frère soviétique Gorbatchev, déjà considéré à l'époque comme un apôtre de la réforme. Le gouvernement chinois est en train de perdre la face. En même temps qu'ils saluent leur hôte, les Pékinois réclament la démission de leur propre président, Deng Xiaoping. Des centaines d'entre eux ont maintenant entamé une grève de la faim. 1 million de mécontents occupent en permanence la place Tiananmen. Le nouveau secrétaire général du parti, Zhao Zingyang, est envoyé dans la rue pour tenter d'apaiser les esprits. En vain. Sa démarche va même se retourner contre lui. Quelques semaines plus tard, il sera chassé du pouvoir au moment du retour au premier plan du président Deng Xiaoping. Exit le porte-parole des modérés. Entre-temps, face au portrait de Mao, les étudiants ont improvisé une statue de la liberté, drapée de rouge et de bleu, aux couleurs de la République et du Kuomintang. Cette fois, pour le gouvernement, c'en est trop. Dans la nuit du 3 au 4 juin, après plusieurs tentatives pour faire évacuer la place Tiananmen, la troupe tire dans la foule. On ignore le nombre exact des victimes, mais ils se chiffrent par milliers. Des observateurs occidentaux sur place parlent de 10 000 morts et blessés. Une image fera le tour du monde, celle de cet homme, seul, face à une colonne blindée. L'armée avait suivi, mais pas unanimement. Le parti se montrera très discret sur l'attitude de certaines unités, comme celle de la 38e armée qui avait refusé de fusiller le peuple. Les contestataires civils furent par contre traités de manière impitoyable. Cette interview, réalisée par un caméraman américain, fut piratée par la télévision chinoise qui diffusa les images en désignant ce dissident comme traître et menteur. Après une campagne d'appel à la délation, des dizaines de milliers de suspects furent arrêtés. Officiellement, 40 furent exécutés. La suite n'est plus de l'histoire, mais l'actualité. La Chine, dans un premier temps, s'est mal remise de ce printemps de Pékin, réprimé dans le sang. Mais les mois se sont écoulés au fil du fleuve jaune et du fleuve bleu. L'armée est rentrée très discrètement dans ses casernes. Des inondations, des tremblements de terre, comme il s'en produit tous les 5 ou 10 ans dans cet immense pays, ont fait des dizaines de milliers de victimes supplémentaires, des millions d'affamés et de sans-abri. L'État essaie de juguler la démographie galopante. L'objectif officiel, 1,5 milliard de Chinois en 2060. En fait, il risque d'être près de 2 milliards. On souhaiterait surtout qu'ils vivent libres et indépendants. Aujourd'hui, 5 millions de contestataires seraient encore sous les verrous. Mais tout vient en son temps. En 1989, le Dalaï Lama a reçu le prix Nobel de la paix. En 1992, le dernier maréchal héros historique de la Longue Marche est mort à Pékin. Partout dans le monde, le génie de la démocratie s'échappe de la lampe où certains ont tenté de le garder enfermé. Tout voyage, aussi long soit-il, commence toujours par un premier petit pas, affirme ici la sagesse populaire. Aujourd'hui, toute une génération de Chinois a déjà fait ce premier pas. Bonne route au peuple chinois.